La veine cave inférieure constitue le principal tronc veineux sous-diaphragmatique et il mesure 12, il mesure, pardon, 18 à 22 cm de long avec un calibre de 3 à 4 cm. Sur cette diapositive, on voit la veine qu'on a remplie avec le bleu de méthylène et on voit que la naissance de la veine cave inférieure est située un peu au-dessous de la bifurcation aortique. On voit ici la bifurcation aortique et on voit que la naissance de la veine cave inférieure est située un peu au-dessous de la bifurcation aortique. La veine cave inférieure prend origine à hauteur de la cinquième vertèbre lombaire au niveau de son versant droit et son origine il est située au-dessous du carrefour aortique par l'union des deux veines iliaques communes. Son trajet est rétropéritonéal, il est d'abord vertical de L1 à L5. Et puis il devient oblique en haut et à droite derrière le foie, et puis il est oblique en haut et à gauche en sus hépatique. Il traverse le diaphragme au niveau de la neuvième vertèbre thoracique. Son trajet thoracique il est court et se termine dans l'oreillette droite. Sur cette diapositive, on voit que la veine cave elle est verticale depuis L5 jusqu'à L1, donc sur le versant droit de la colonne lombaire. Et puis il devient oblique en haut et à droite derrière le foie, et puis en haut et à gauche au-dessus du foie dans le segment sus. Les rapports antérieurs, comme pour l'aorte abdominale, sont divisés en régions. Et on va commencer ici par le bas, parce que la naissance de la veine cave inférieure elle est plutôt vers le bas. Et donc, sous le troisième diathénome, la veine cave inférieure va entrer en contact avec la racine du mésentère. Derrière le bloc diodéno-pancréatique, la veine cave inférieure est en rapport avec la tête du pancréas, avec le duodénum et avec le fascia de Treize. Et entre le premier duodénum et le foie, la veine cave inférieure va avoir comme rapport l'hiatus de Wieslau et la veine porte.
Et derrière le foie, la veine cave inférieure reçoit les veines hépatiques moyennes et il est en rapport avec la jonction du lobe droit et du lobe caudé du foie. Et au-dessus du foie, la veine cave sus-hépatique est courte et reçoit les veines sus-hépatiques. Sur cette diapositive, on voit ici l'aorte abdominale, la veine cave inférieure. Et ici, on voit dans sa partie initiale le rapport avec la racine du mésocolon. On voit ici la racine du mésocolon ascendant. Et à ce niveau-là, c'est la racine du mésentère. Vous voyez ici la racine du mésentère. Donc, ça, c'est le début du mésentère. C'est pour ça qu'on appelle racine du mésentère. Le début. Et là, c'est le début du mésocolon. Donc, les deux sont en contact, en rapport avec la veine cave inférieure. Donc, pas loin ici, vous voyez, pas loin, il y a l'urtère droit. Derrière le bloc duodéno-pancréatique, donc on voit la veine cave ici, hein, il est en rapport avec le bloc duodéno-pancréatique, le pancréas et le duodénum. Les rapports internes de la veine cave inférieure sont représentés par l'aorte, par la veine rénale gauche, par les lymphatiques préaortiques, par le plexus du système nerveux végétatif et par l'orifice aortico-œsophagien du diaphragme. Donc vous voyez ici en pointillé la veine cave inférieure et donc le rapport interne il est constitué par l'aorte abdominale. Et puis, il y a la veine rénale gauche qui va se drainer vers la veine cave inférieure. Les rapports externes sont représentés par le rein droit, l'urtère droit, les vaisseaux gonadiques et le lobe droit du foie. Sur cette diapositive, on voit les rapports droits de la veine cave inférieure représentés par le rein droit, l'urtère droit et les vaisseaux gonadiques. Sur cette diapositive, on voit la veine cave inférieure et là, ce qu'on voit ici, c'est une tumeur du rein droit avec une extension à travers la veine rénale droite vers la veine cave inférieure et donc vous voyez la proximité et la contiguïté qu'a la veine cave inférieure avec le rein droit et la possibilité d'extension d'une tumeur du rein droit vers la veine cave inférieure. Au niveau du diaphragme, la veine cave inférieure est en rapport étroit avec le nerf phrénique droit.
Les branches collatérales de la veine cave inférieure sont représentées par les veines gonadiques, les veines rénales, les veines surrénales, les veines hépatiques, les veines lombaires, les veines diaphragmatiques inférieures, la racine médiale de la veine azygose et de la veine hémiazygose. Donc sur cette diapositive, vous avez les différentes branches collatérales, les veines rénales, les veines gonadiques, les veines surrénales pour les glandes surrénales. Chose importante que j'avais citée dans l'introduction, que ce système cave assure un réseau anastomotique important entre les deux veines caves, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Ce système anastomotique est assuré par le système azygose. Et vous voyez ici sur cette diapositive la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et la veine azygose, une grande veine azygose qui va se terminer au niveau de la veine cave supérieure. Cette même veine azygose qui naît à partir de différentes veines du pelvis et de l'abdomen, d'accord, va constituer un pont entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure en cas de besoin. Ainsi, s'il y a un obstacle qui empêche que le sang de la moitié inférieure du corps emprunte la veine cave inférieure pour arriver au niveau du cœur, dans ce cas-là, le sang va être dévié à travers ces veines-là qui vont constituer par la suite le système azygose ou la veine azygose qui vont se drainer vers la veine cave supérieure. Et inversement, si on a un problème au niveau de la veine cave inférieure, le sang va être drainé de la veine cave inférieure supérieure vers la veine cave inférieure. Les voies anastomotiques porto-caves, c'est des veines importantes également parce qu'ils vont permettre des anastomoses entre la veine cave ou le système cave et la veine porte. Ainsi, au niveau du cardia, au niveau de l'œsophage, il y a des anastomoses entre la veine porte et la veine cave, au niveau de l'ombilic également, au niveau du rectum, nous avons des anastomoses entre la veine cave et la veine porte. Au niveau de la région péritoneo-pariétale et porto-sus-hépatique. Je vois là schématiquement, et c'est une diapositive intéressante où vous allez voir par exemple ici que les rapports, la dérivation entre le système cave, entre la veine cave et la veine porte, en cas de problème, nous allons avoir des varices au niveau de l'œsophage, au niveau du cardia, au niveau de l'abouchement de l'œsophage, la terminaison de l'œsophage. D'accord ? On va voir des varices œsophagiennes. Même chose au niveau du rectum, en cas d'hypertension portale, en cas d'hypertension cave, on va avoir ce réseau anastomotique va donner des hémorroïdes, des veines qui vont se dilater au niveau de l'ampoule rectale. Même chose au niveau de l'ombilique.